Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Alors qu'est-ce qu'on partage pas avec les copains du privé? Ben c'est l'amour. Ma vie privée, c'est avec ma copine. On vit ensemble. Vous avez un espace, un appartement Non, on n'a pas d'appartement, mais on vit dans le foyer là. J'avais une copine et on avait une intimité. Après, des fois, j'allais le voir les éducateurs, j'expliquais ce que je comprenais pas, j'essayais d'éclaircir les choses par rapport à ça. Par rapport à votre vie intime. Oui, oui. Avant, j'étais marié. Après, j'étais divorcé. Vous avez tous trouvé l'amour à un moment donné? Oui, c'est ça. Bien sûr, oui. Des fois, c'est pas évident. Pour les éducateurs, c'est pas très évident. Parce que, ouais, ils ont aussi leur intimité eux-mêmes. Voilà, on est chacun différent de limites. Voilà. Avec ma copine, je l'ai venue. Mais on a eu notre intimité, on a fait l'amour. Dans la chambre? Dans la chambre. Mais contre vous, vous avez que vous. Il n'y a que vous, comme moi. Donc la nudité, c'est que dans la chambre. C'est intime. C'est voilà. Intime. Okay, voilà. Si on le fait un peu sur le public, c'est un peu gênant. Est-ce que c'est facile de parler de sexualité quand on est dans un foyer? Ben, moi, j'ai quelques cours là-dessus. Enfin, y a des gens qui sont déjà venus me poser sur le sida, sur les choses. Ouais. Oui, mais on vient vous parler du sida et tout ça, mais on vous parle. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le plaisir, on vous parle pas du plaisir. Oui, le plaisir il y est. Comme quand j'ai fait l'amour avec mon ex-copine, le plaisir était là. Ouais. C'était réciproque? Je pense que oui. La vie amoureuse? Des petites amies, des petites copines, je sais pas. Ça fait partie de la vie privée, ça aussi. Oh, j'en ai jamais eu, non. J'en ai jamais. Si vous voulez pas ou. Je sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée. Non, pour l'instant, non. Mais vous dites pas non. Bon, je dirais jamais non. Ce jour-là, vous pensez que vous allez le dire autour de vous? Vous serez content, vous allez le dire à tout le monde ou alors vous allez le garder pour vous? Oh, je le garde pour moi. Ça, c'est privé. Non, ça, c'est privé, ça. C'est pour moi, c'est pas pour les autres. Vous êtes un peu amoureux tous les deux? Oui. Oh, beaucoup. Beaucoup amoureux. On est ensemble depuis 3 ans. Depuis, je l'ai gardé pour moi. Après, j'attendais un peu que ça durait. Après, j'en ai parlé à ma famille. Moi, avant, je ne savais pas trop parler sur les rapports sexuels. J'étais trop timide, mais maintenant, j'y arrive à en parler. Grâce au planning familial qu'on a parlé, j'y arrive. Ça me débloque tout ce que. C'est vous qui avez pris le rendez-vous? Non, c'est les éducs. Et vous avez ça, vous aviez besoin d'avoir des conseils, d'avoir... Ouais. Oui. C'est que depuis que j'ai rencontré, elle était toujours aussi belle et que je... À la boum, je craquais sur elle. Ouais, ça va. J'ai rien, à ce moment. Guy. Ben, bon, moi, c'est pas moi, c'est par amitié, hein. C'est pas encore, disons, expressionnel, hein. Non, ça va. Voilà. C'est-à-dire que bon, même tu voilà, le matin c'est bonjour, après midi ça revient, le soir c'est bonsoir, et puis voilà, hein, ça va pas plus loin. J'ai une copine sur le foyer maquillère, hein, que j'estime beaucoup, que j'aime vraiment. Il peut pas y avoir des interdictions pour tout quand même. Hein. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Oui, il faut pas tout. Enlever quand même, il faut en laisser un peu. Tu peux faire des bisous. Bon, ça, comme tout le monde, bonjour, oui. Ça va? Des fois, je rencontre les mêmes personnes qui se souviennent de moi, qui se rappellent de moi. Ils me disent, oh, bonjour, est-ce que tu vas bien, nanana, bon, bref.
Alors, je dis oui, ça va. C'est important qu'on se souvienne de vous. Oui, c'est très important. Moi. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent.